Le 20 mai dernier, chaque bulle classe de l'école primaire de Lac-en-Saumont faisait l'ascension de la rue du Noviciat du Mont Climont jusqu'à la Serve afin d'admirer une vue magnifique du paysage. Cette activité devait avoir lieu le jour de la Terre, le 22 avril dernier, mais comme le sol était couvert de neige, valait mieux déplacer cette activité une journée plus clémente, voire exceptionnelle. Voici Antoine Paquette, enseignant et motivateur pour cette journée. C'est une activité de financement pour l'école du Lac-aux-Saumont. Ça s'est passé par Facebook. Les gens ont donné des dons pour l'école. Ça nous a permis de ramasser tout près de 1 900 $ pour vos activités. En contrepartie de ces beaux dons-là, on s'est engagé, l'école, de faire le plus de montées possible jusqu'au sommet de la côte. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui ici. Pour faire l'activité, on a barré la moitié du chemin, d'accord? Donc, tu vas te tenir à droite, en aller et en retour, toujours du côté droit. Bien entendu, vu que tu fais une activité sportive, t'es pas obligé d'avoir ton masque, mais il faut que tu respectes ta bulle classe quand même, d'accord? Fait que tu peux pas te mélanger, même si t'as le goût, tu peux pas te mélanger avec les autres groupes. C'est bon? Les adultes vont marcher avec vous autres, ils vont en avoir en haut, ils vont en avoir en bas. Tout au long du parcours, tu liras, là, il y a des petits mots d'encouragement qui ont été écrits à la craie sur l'asphalte. Après un petit bout de temps, là, on va t'arrêter et on va avoir une petite surprise glacée pour te donner des forces pour continuer. C'est bon? Ben, je te souhaite des belles montées. Juste avant de commencer, on va avoir une petite activité de réchauffement. Malgré une chaleur torride, les enfants couraient en montant. Les enfants étaient dans une forme surhumaine. Des activités étaient organisées tout au long de l'ascension, puisque seulement grimper pour ces jeunes aux multiples talents, c'est trop peu. Ce fut une réussite sur toute la ligne. Voici à nouveau Antoine Paquette. L'activité de financement aujourd'hui, c'est une idée d'un parent de l'OPP, qui est une activité de financement. On cherchait des moyens plus novateurs, Puis en contexte COVID, parce qu'on peut pas permettre aux jeunes de faire du porte-à-porte ou d'aller vendre des objets. Donc, on a pensé faire une activité un peu en lien avec le jour de la Terre, faire une activité qui sensibilisait les jeunes sur la beauté de l'extérieur. Puis c'était également une façon de faire du financement pour leur permettre des activités tout au long de l'année. Là. Quand on fait des journées sportives, on peut remettre des prix. Quand on peut faire des collations santé du vendredi, quand on peut faire des activités de faire venir la molle ou des sorties de fin d'année. Donc, c'est vraiment tout pour les activités des jeunes. Puis on a eu une belle réussite. On a eu autour de 1 900 $ de réponse de la communauté. Fait que c'est vraiment bien. Bien, c'est une journée ensoleillée, la plus belle depuis le début. Fait qu'on est vraiment contents. Les jeunes ont répondu, les enseignants aussi, puis tous les membres, le membre du personnel et de l'OPP sont présents. Fait que je pense que j'ai vu des sourires dans tous les visages. C'est très intéressant. On a chaud, par exemple, mais on s'hydrate.